qui est beau dans ce lieu absolument merveilleux, qui est la Fondation Tricard, sa lumière, sa façon d'être pensée pour l'art, et au-delà du dialogue que j'ai pu créer avec Pierre Tennyson, quand même, qui est à la fois, qui rappelait pendant le discours qu'il pourrait être mon père, puisqu'il a l'âge en fait de ma mère, à deux jours près, donc c'est assez amusant. Ma mère est née le 1er juillet 31 et lui le 3 juillet 31. Ce que les gens n'ont pas entendu, c'est qu'il m'a donné un petit coup de coude, il a dit, tu sais, entre artistes, c'est la même chose, on a le même âge. Et je trouve ça très très beau. Ce qui est beau dans une exposition, c'est de pouvoir cristalliser à chaque fois une préoccupation picturale dans ce beau chemin. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation entre le dessin et la peinture, à quel moment on arrête le dessin, à quel moment on arrête la peinture, et les moments de tension qui sortent à travers ça, ce qui m'amène à une technique particulière, qui est celle à la fois du pastel et de la peinture. Et ici, c'est une chose que j'avais débutée à l'exposition de la Villa Tamaris, et que j'ai souligné aussi à une exposition que j'ai récemment tenue à Amsterdam. Ici, à Salerne, j'ai voulu aborder plus avant l'idée du diptyque, qui est cette relation particulière avec un objet qui crée... qui crée que c'est une sorte de monde de relations. Moi-même, qui en 78 déjà, avait abordé la relation, ce qu'on appelait le rapport de picturalité, c'est-à-dire à la fois des peintures qui existaient seules et en relation avec d'autres. Je vois cette sensation qui revient à travers ces diptyques et ce langage avec, qui est souligné, son ironie, des fois un peu l'érotisme, qui vient à travers un objet qui s'ajoute à la peinture. Et cette exposition aborde plus particulièrement cet aspect-là de ma peinture. C'est le mot super, je peux dire vraiment le lieu est super. Ici, où il y a maintenant lieu cette exposition, enfin chez le Tricard, et c'est formidable. C'est tellement bien fait que c'est aucun problème d'installer l'exposition parce que le socle, ils sont sur place, tout est vraiment bien. Non, c'est formidable. Et avec cette vue, cette ouverture, enfin, cette architecture moderne qui se présente vraiment formidablement pour cette exposition, ça m'a tout de suite, j'étais ravi de pouvoir ici présenter mon travail. Et surtout les sculptures en fer ici dehors, après le palmier à l'intérieur avec le tableau et tout ça. C'est une des plus belles expositions, il faut le dire. En 1986, quand il y était le feu si terrible ici, dans la Maritime, dans le Tanneron, c'était le samedi, dimanche, avec un mistral terrible, ça, c'était un feu infernal. En fait, il a brûlé aussi plein de collines de la commune de Tigné, et ça, et bon. Donc, quelques jours, peut-être 8 jours après, le feu était éteint, entre-temps, une grande pluie tomber sur le paysage. Et là, je suis allé dans ces endroits où c'était brûlé, la forêt était brûlée, et j'ai découvert une poubelle épouvantable de fer, toute ferraille que les Français qu'ils ont jetée dans et cachée dans la forêt, et que maintenant ils étaient mis en plein jour, de voitures, de frigidaires, de tonneaux, de tôles, enfin tout un truc. Mais que la pluie qui a tombé sur les ferrailles chauffées à blanc, ça a rendu une couleur à ces tôles extraordinaire. Et j'étais tellement pris par ça, j'ai cherché avec ma voiture la remorque et j'ai chargé de tôles comme là, ici, cette tôle, on voit aussi, et plein de tôles et de tonneaux. Et avec ça, ça a déclenché ma période de fer, qu'aujourd'hui, bien sûr, j'achète de tôles, enfin tout neuf, et je le travaille, c'est pas pareil. Mais c'est parti par là, donc depuis 86, que le fer m'intéressait. C'est comme ça que je fais aussi de peinture sur de tôles, enfin donc la peinture sur fer au lieu sur la toile ou du bois ou autre matière. C'est tout à fait ce que j'ai cherché, un bois, un matériau qui se soumet
sur mes choses que je voulais exprimer. Et ça, on ne pouvait pas faire avec un joli bois, par exemple l'olivier ou autre chose. Et le vin, ils sont trop jolis, mais ça gêne le volume que ça transforme. Alors, par exemple, quand on fait un cube, et ça ne semble pas un cube parce que le vin qui fait un mouvement. Et là, le palmier, là, j'ai découvert vraiment pour moi pendant 25 ans. Surtout le palmier, aussi le cèdre, d'autres choses, mais max, le plus en palmier. Et j'ai pu exprimer ma sensibilité, mais aussi ma sexualité à travers ces formes rondes.